Je suis censée ne plus être moche dans mes vidéos. Je vous reparle avec cette tête de cul. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une... Je sais même pas pourquoi je parle avec le masque. Aujourd'hui on se retrouve pour une night routine. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous sommes mardi 8 juin. Je filme à peine et il est quelle heure? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21h25 et je m'apprête à tourner ma vidéo pour le lendemain. Voilà, pour mercredi. Alors vous avez vu dans le titre, c'est littéralement la routine d'une meuf très 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 lambda. Voilà, et en fait tous les soirs, ça aussi ça fait partie de ma routine. On a ma soeur qui vient me saouler, quand c'est pas dans ma chambre, elle vient me saouler dans la cuisine. On se retrouve dans ma chambre et déjà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma chambre? Là, il faut que je réponde à quelques mails sur mon ordi, donc c'est ce que je vais faire. Je fais généralement ça, quand je rentre chez moi, je me pose un peu sur mon ordi ou sur mon tel, sur TikTok, dans mon lit. Enfin bref, c'est le moment chill, tu vois, genre je me prends pas la tête, j'ai rien envie de faire. Bah, après, il est vrai que j'ai rien envie de faire très souvent, mais... Et là, c'est le drame. Quoi? Oh my god! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Sophie, fait peur! Si les gens se demandent de qui je tiens mon côté drama queen, c'est littéralement de ma mère. Ce soir, on va se faire une routine soin parce qu'en plus, monsieur est parti en formation pendant une semaine. Donc, il est pas là, je m'ennuie. Est-ce que je vais faire ma dépressif alors que ça fait 48 heures qu'il est parti? Oui, je vais faire ma dépressif. Je vais me faire des soins parce que déjà, en fait, il n'y a pas besoin d'être dépressif pour savoir que quand on a cette tronche, il faut faire quelque chose. Ça y est, j'ai enfin fini de répondre à tous mes mails parce qu'en fait demain j'ai aussi rendez-vous pour la création d'entreprise avec en fait si vous voulez je vous ai pas dit mais je suis rentrée dans une garantie jeune. Ils m'ont mis sur enfin ils m'ont pris un rendez-vous pour pouvoir créer mon entreprise. Voilà, du coup demain j'ai rendez-vous. En fait pourquoi je vous ai dit ça, je me rappelle même pas pourquoi je vous l'ai dit, mais bref, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Primark et en même temps je vais vous parler parce qu'en soi il y aura rien d'intéressant dans cette night routine. Genre, oui, vous voyez les pieds de ma soeur derrière. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour ma chambre. D'ailleurs, je vous ai dit que je comptais refaire ma chambre. Je pense que je vais peindre un mur, j'ai acheté des cadres et tout. Je sais pas si je vous les montre dans cette vidéo ou pas. Non, parce que le but de la vidéo, c'était... Enfin, je suis en partenariat avec une marque et le but, c'est que je vous fasse découvrir dans la vidéo, pas maintenant. Donc, faut que je me retienne et que j'arrête de vouloir tout vous montrer. Primark, des fois, tu vois, ils s'abusent un peu sur les prix. Genre, wesh, arrêtez d'augmenter vos prix. On vient chez vous parce que c'est pas cher. C'est pas pour que vous commencez à faire des prix de déco, là, comme Maison du Monde. Sinon, dans ce cas-là, j'ai la Maison du Monde. Pour ma chambre, j'ai pris un petit plaid comme ceci. Très mims, très mignon. Qui était à 5€, je crois que je m'en suis acheté au moins 40 des plaids comme ça chez Primark. J'ai eu en gris, en beige, en rose, de toutes les couleurs. Mais du coup là j'ai pris vert émeraude, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pris vert émeraude parce que du coup ça va être les thèmes de ma chambre. Ensuite du coup j'ai pris ça parce qu'en fait ça ira trop bien avec ma housse de lit. Je vais vous montrer la photo, regardez à quoi ça ressemble en vrai. Un diffuseur d'odeur et ça... C'est une odeur que j'avais achetée. Est-ce qu'il peut faire le focus cet appareil? Parce qu'à part tomber par terre, je sais pas à quoi il sert. Senteur Pink Peony. Peony, je sais pas comment ça se dit en anglais. Excusez-moi. Mais du coup, ça sent super bon et c'est un diffuseur d'odeur. Faites pas attention, je vous ai changé de côté. Mais du coup, j'ai pris ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse deviner. Mais c'est un truc trop mignon. Je les avais vus sur AliExpress et je voulais les commander. Mais au final, je les ai trouvés chez Primark. Voilà, pas besoin d'attendre un mois pour recevoir ton truc. Et en fait, c'est des mini barquettes. Genre, s'il vous plaît, c'est pas trop cute. Je suis la pro des achats inutiles. Genre je suis littéralement imbattable. Enfin ça va me servir à quoi? À rien du tout. Genre vraiment, qui a besoin de mini barquettes dans sa chambre? Personne apparemment. Figurine en furie là sur Shein. C'est une figurine, elle est vraiment en furie. Tu remplis de l'eau, tu le mets 2 minutes au micro-ondes. Ça humidifie ton micro-ondes et après tu passes avec l'éponge, tu ramasses tout. J'ai pris des chaussettes, ça c'est un des seuls trucs censés que j'ai acheté. Mais j'ai l'impression qu'ils se floutent. Je sais pas pourquoi. Ah oui, et j'ai acheté des cintres parce que j'avais fait l'erreur de prendre des cintres premier prix Carrefour. Le truc, à peine je mets ma doudoune, il se plie. Donc bref, inutile. Donc je me suis dit, vas-y, je vais investir dans des bons cintres.
3 euros les 5. Vous avez la petite lanière là qui est dorée. Ils sont blancs, en bois. Ils m'ont l'air quand même assez solides. Donc je suis contente. Écoutez, ce n'est pas fini. Demain, normalement, je vais avec ma soeur. Je l'emmène à Ikea. Donc sûrement que je vais faire d'autres achats. Par contre, les gars, je regarde Night Routine et tout. Je vais en regarder en même temps que je fais ma Night Routine. Genre, déjà depuis tout à l'heure, je vous propose pas. Enfin, je fous rien depuis tout à l'heure. Donc, déjà, fais ta vidéo au lieu d'aller regarder les night routines d'autres gens. On va peut-être commencer la routine soin. A savoir aussi qu'il n'y aura pas de bouffe dans cette vidéo. Because je ne mange plus le soir. Je vous demande pas de faire comme moi. Et ne faites pas comme moi parce que c'est pas bien. Mais en gros, oui, je mange plus le soir parce que. Voilà, bref. Du coup, j'avoue que j'utilise pas mal de produits. Alors, il n'y a pas tout. Bon, ça, c'est le démaquillant quand j'ai la flemme de me démaquiller. C'est-à-dire que j'utilise une eau micellaire, ce qui n'est pas du tout bon. Là, il y a un ciseau, je ne sais pas pourquoi. On a ma brosse à dents. Bref. Du coup, en ce moment, enfin, depuis mars, je teste ces produits-là de chez Drunk Elephant, qui est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sepho. Honnêtement, je trouve qu'elle est quand même assez chère pour ce que c'est. Genre, en toute honnêteté, il y a des produits vraiment moins chers. Qui sont tout aussi bien, je dis pas que ceux-là ils sont pas bien, ils sont très bien, mais je les trouve assez chers et c'est pas des produits que j'aurais acheté de moi-même. Là on me les a offerts donc je suis vraiment trop contente parce que j'adore le packaging, j'adore le concept de la marque, etc. Mais c'est vrai que niveau prix c'est assez cher. Après là ce coffret il me semble qu'il était à 60 ou 70, quelque chose comme ça, et c'est que des miniatures mais il me dure dans le temps, vous voyez, je l'ai depuis mars et j'utilise vraiment quotidiennement. Du coup pour mes cheveux j'utilise ça, donc le shampoing et le conditionneur, mais pour ça je vais vous faire une routine curly hair très bientôt. Ensuite ça en vrai j'utilise jamais, c'est le vaporisateur démêlant. Enfin ça c'est vraiment je pense un truc pour les cheveux fins parce que pour mes cheveux ça démêle rien du tout. Et gommage cuir chevelu, ça aussi je le fais vraiment très rarement quand je sens vraiment que mon crâne, t'as vu, il est dégueu et qu'il faut que je l'exfolie. Et sinon ça voilà, c'est mon gel douche pour le corps que j'utilise. Ensuite on a ça, c'est un gel nettoyant de chez Action que j'utilise pour nettoyer mon visage, mes brumes, mes trucs de soleil. En fait j'ai tout mis là parce qu'on est parti en Airbnb avec mon chéri. Du coup j'ai mis tous mes trucs là, mon parfum. Ça j'utilise même pas. Mais aussi mon démaquillant chouchou, c'est celui-ci. Alors voyons voir quel masque nous avons. On a celui-ci, mais celui-ci faut que je le rince. Ceux-là de chez Carrefour c'est les pires, genre vraiment éviter. Ah j'ai d'autres petits masques aussi, je crois que j'ai remis à mon anniversaire. Ouais j'ai plein d'autres petits masques. Mais après j'ai pas là les masques en tissu quoi. Enfin c'est des masques qu'il faut que je rince. Et en toute honnêteté j'ai un peu la flemme de les rincer. Donc ok celui-là, on va faire celui-là. Et c'est parti pour la petite routine soin. Hop, je viens d'appliquer. On frotte. On enlève toute la pollution de la journée. Et ça franchement c'est vraiment une étape à ne pas négliger. C'est à dire que même si je me fais pas de masque, je me nettoie le visage. Hop. Je vais venir me doucher. Enfin je laisse, en fait je fais souvent ça. Je mets mon masque, je me douche. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve après. Je suis sortie de la douche et entre temps j'ai fini de laisser poser mon masque. Parce que vous doutez bien que je reste pas 20 minutes sous la douche. Je viens de me rappeler que j'ai reçu des lentilles de contact. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a la meuf, elle nous présente des lentilles de contact. Mais tout simplement j'en avais besoin pour mes looks. La marque m'a contacté donc j'ai accepté. Ça se présente comme ceci et à l'intérieur, bon c'était mieux rangé, il n'y a pas à être une influenceuse en carton comme ça. Plein de petites choses à l'intérieur, des petits autocollants, etc. C'est super cute. Ils m'ont même mis un petit miroir. Regardez, vous voyez, un petit miroir comme ça de poche. Ça, j'en ai toujours besoin. Regardez. En fait, vous savez, sur TikTok, j'ai fait mon compte spécial make-up où je crée, enfin, je m'incarne, on va dire, en personnage Disney en ce moment. Après, je ferai bien sûr bien plein d'autres make-up et plein d'autres personnages. Mais du coup, bah, pour ça, la marque, du coup, TDI. Je crois que ça dit comme ça, TTDI. Du coup la marque m'a contacté et j'ai pu choisir du coup 4 paires de lentilles. Ce qui est cool c'est que ça va me permettre d'être encore plus dans la peau des personnages que je reproduis sur TikTok. Du coup j'ai pris une paire verte, une paire marron clair, une paire, pourquoi je dis une paire marron clair, une paire, en plus j'étais vraiment sérieuse dans ma démarche là. Bref du coup j'ai pris une paire de lentilles bleues, rouge, vert et marron. Et écoutez, je me suis dit qu'on allait tester ensemble. Oui, il est actuellement 23h. La meuf va essayer des lentilles. C'est la...
En fait j'en avais déjà essayé, vous voyez, à l'ancienne. Genre je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et mes soeurs elles faisaient que dormir, genre des violets et tout. Elles allaient au collège comme ça, elles se sentaient trop fraîches. Et du coup ben, moi je faisais la même chose. Et du coup ouais, c'est la dernière fois que j'ai porté des lentilles de contact. Donc ça fait vraiment, c'est comme si j'en avais jamais porté en vrai. Donc c'est tout nouveau pour moi. Du coup vous avez, c'est présenté dans des petits packaging comme ça. Et franchement les packaging, ils donnent vraiment trop envie. Genre je les trouve vraiment beaux. Derrière vous avez donc du coup la référence de chacune des lentilles. Et avec ça vous avez vendu pour chacune des paires donc une boîte comme ceci, qui est genre méga colorée, qui est emballée dans un petit plastique. Donc on va l'ouvrir. Ensuite vous avez une petite pince, je pense que c'est pour les prendre. Ah et ça c'est pour les poser. Oh, regardez. Ah mais moi je voyais mon père, il mettait son gros doigt dans son oeil. Franchement je suis trop contente qu'il m'ait contacté. Je vais également les utiliser du coup pour mes make-up TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. Et si vous-même vous recherchez des lentilles, parce que franchement j'ai vu des photos, ça fait genre trop beau. Genre c'est littéralement trop beau. Vous avez la petite capsule du coup et la lentille qui est dans du produit. Donc je pense que je vais prendre le produit pour le mettre dans la boîte. Oh, je sais pas si c'est bien ou pas. Ils vont plus vouloir collaborer avec moi à force que je fasse de la D comme ça. À l'intérieur on a la petite lentille bleue du coup. Et je vais venir l'appliquer. Et là, c'est le drame. A few moments later. Oui, j'ai littéralement galéré. J'ai dû regarder un tuto, s'il vous plaît. Je vais vous montrer. Il est quand même minuit 17. Hein, minuit 17. Et j'ai dû donc regarder un tuto. Comment mettre ces lentilles de contact. Mais genre, faites pas attention à mes boutons. Mais si seulement je pouvais avoir cette couleur de yeux. Et puis, si seulement vous pourrez voir dans le miroir. Et vous savez ce qu'on va faire? Comme j'ai pas essayé les vertes aujourd'hui, je vais faire un prank parce que mon chéri revient de sa formation vendredi. Et je vais y aller. Et je vais genre... ouais, je vais mettre des lentilles vertes. Et je vais faire comme si de rien n'était. Il va se dire, mais t'as fait quoi tes yeux? Enfin, si j'arrive à les mettre. Je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez aussi les adapter à votre vue. C'est totalement possible. Et franchement, j'adore le packaging. Donc du coup, regardez. Oh, celle-là. Oh, celle-là, elles vont me faire peur, les gars. Celle-là, je pense que je vais avoir peur de moi-même dans le miroir. Voici ce que ça donne pour la rouge qui est donc juste ici. Je trouve que ça fait un effet un peu marron clair, je sais pas, dites-moi vous. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus rouge. Après c'est pas plus mal parce que ça fait un peu un effet vampire discret, tu vois, genre dans Twilight. Ils ont pas les yeux rouge lentille. Genre ils ont vraiment un effet de yeux plus clairs. Mais je sais pas, dites moi ce que vous en pensez. Après là j'ai l'œil rouge parce que je viens juste de la mettre. J'espère que vous voyez pas ma mort parce que franchement ça c'est vraiment dérangeant. Ce que ça donne au niveau des yeux, franchement moi j'aime plutôt bien. Et puis je sais même pas si je vais pas clôturer cette vidéo ici parce qu'en fait j'ai juste allé dormir. Il est minuit 17, ma grande soeur dort dans ma chambre. C'est ses derniers petits dodos dans ma chambre. Donc je vais pas aller la déranger, enfin dans notre chambre, qui du coup va devenir ma chambre. Mais du coup écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo avec moi. Je sais que ma routine n'avait rien d'extraordinaire. Je suis vraiment une meuf genre lambda. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc littéralement vous allez pas trouver des trucs de ouf dans ma routine parce que c'est vraiment mon quotidien. Le soir quand je rentre, je décompresse de ma journée et j'ai pas envie de faire 15 000 trucs. Mais du coup écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ce petit moment avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit du coup à samedi dans une nouvelle vidéo. Bisous. Bon du coup maintenant il va falloir les enlever.